כי מי אנוכי כי אלך אל פרעה, ויאמר כי יהיה עמך וזה לך האות, כי אנוכי שלחציך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. On voit comment Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu et en lui disant tu es le Mashiach d'homme Israël, comme ça se passera Bezat Hashem, quand le Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu va lui dévoiler qu'il est le Mashiach et que donc il devra s'occuper de nous dévoiler, nous délivrer. Là Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Comment il se dévoile à lui? Sur le Har Sinai, où là-bas il était dans le désert et de loin il voit un buisson en train de se brûler, comme vous savez l'histoire, il est arrivé là-bas et hop, il entend la voix d'Hachem. Et Hachem lui dit, tu es le Mashiach pour délivrer Am Israël. Et là, tout de suite, il rentre dans un victoire. Moshe Rabbeinu rentre dans un victoire. Je ne suis pas Raoul, je ne suis pas capable, je ne suis pas là-bas, hein. Je bégaye. Vous savez qui bégayait, Moshe Rabbeinu? Je bégaye, je ne suis pas à la hauteur de parler avec un président comme Paro. Bon, tout un victoire qui a duré, pendant, il y en a qui, le Midrash qui veut dire 7 jours. Il y a eu 7 jours de victoire avec Moshe Rabbeinu. Alors, la question, elle est comme ça. On a un principe. Oui, qu'on apprend dans la Gemara de Baba Messia, que Mesarvim la Katan, Velo Mesarvim la Gadol. Ce principe nous apprend que on doit refuser un Katan, mais on ne doit pas refuser un Gadol. De quoi on parle là-bas? On parle là-bas que, par exemple, on veut être Mechabed Otra. On veut te donner un Kavod. Alors, par exemple, de Kavod de monter à la Torah, Kavod de Chalir Sibour, Kavod de donner un Shiur, Kavod de dire un Dvar Torah. Plein d'exemples comme ça dans la vie où on est Mechabed Otra. On reçoit les chabad au train, on veut donner un kavod de faire quelque chose, dans une koupa, de faire une balacha, etc. etc. Alors, ça, la Gemara te dit, ça dépend. Si c'est un katan chez mes chabad au train, c'est un katan, ma kavana un katan, ça ne veut pas dire un enfant, c'est-à-dire un katan comme Adam Pachout, qui est un balabaït, c'est un amare, c'est la famille, bon, c'est pas un gadol, c'est pas un tamit racham. Alors, mes servim la katan, c'est-à-dire, il faut dire non, je ne veux pas. Ouais, jusqu'à qu'il insiste beaucoup, et au bout de 2-3 fois, alors on dit, ok, alors on accepte, on y va. Mais on doit refuser, comme ça, systématiquement, c'est ce qu'on mange, c'est Derecheles de refuser. Il ne faut pas accepter tout de suite. C'est l'autre d'accepter tout de suite, et ce n'est même pas un signe de Hanava d'accepter tout de suite. Au contraire, c'est un signe de Gava. Il faut refuser. Bien fait. Par contre, quand un Gadol y vient, et qu'un Gadol, c'est un Tamid Chacham, qui vient, pas pareil, mais Chabed Otra, la même chose. La même chose que le katan, tout de suite il faut aller. Il faut aller tout de suite. Alors voilà la question qui se pose, c'est comme ça. Arrête, comment ça marche? L'iman afcha. Si l'idée, elle est de fuir le kavod, ouais, il vouloir mieux le kavod. Si c'est ça l'idée, manaf kamina, si c'est un katan ou un gadol. Si je dois fuir le kavod, eh bien, le kavod, je l'ai de la même manière que si c'est un katan ou un gadol. Donc je dois fuir le kavod, c'est-à-dire refuser. Et que seulement quand on a insisté et qu'on me montre qu'on veut absolument, alors bon, je comprends que c'est plus pour moi, c'est pour les autres. Alors pour les autres, ok, bon, alors arrête, fais pas ça là de dire non constamment pendant 10 ans, ça y est, accepte. Mais non, si c'est comme ça, alors si c'est pour un lien de travail, ma gave, hein, alors même avec un gadol, je dois refuser. Pourquoi avec un gadol, je dois accepter? Alors là, la réponse, elle est comme ça. Que c'est pas du tout la même chose. Quand il s'agit d'un katan, je sais pas, les chabed au train, ouais. La réaction que je dois avoir, c'est qu'il veut être Mechabed Oti. C'est le Chabed Oti. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est que le fait qu'il est katan par rapport à moi qui est plus gadol que lui. C'est comme ça, il veut me donner un kavod, qu'il estime qu'il me revient. Parce que lui, il est à un niveau plus bas que moi, et moi, il me regarde à un niveau plus haut que lui. Donc, c'est le Chabed Oti. Il veut me donner ce kavod. Ah, là, il a écrit l'ami, c'est un nien de kavod. Comme c'est un nien de kavod, je dois refuser. Pourquoi? Parce que c'est un principe qu'on a dit. Avec Boréar, mais la kavod. Tu dois être Boréar du kavod. Je dis non, je ne veux pas. Il y a d'autres personnes. Tazmin Michouacher, invite quelqu'un d'autre, donne ce kavod à quelqu'un d'autre, pas moi. Donc ça, c'est le délire, comment je travaille dans mes midot. Par contre, quand c'est un gadol qui vient m'inviter, là, je ne dois pas voir comme si qu'il me donne du kavod. Ça serait un taout grave. Ça, et le tsara, il est très fort là-bas. Parce que le tsara, il te dit comme ça. Il dit, regarde un peu, qui t'a maintenant donné le kavod de faire ça, c'est un gadol. Wow, c'est très mechoubat, c'est comme ça. Oh, il va voir. On va voir, c'est comme ça. Tu ne dois pas regarder de cette manière. Tu dois regarder là-bas, hein, que quand c'est un gadol qui vient me dire de faire quoi que ce soit, je regarderai ça comme un tzivouï, et pas comme un kavod. C'est un tzivouï. La reine, l'homme est sarvim, la gadol. C'est-à-dire, même si moi, normalement, je fais un travail dans mes midot, d'être boler, mi la kavod, de m'écarter de la gava, je fais un travail sur moi-même. Mais quand il s'agit d'un gadol qui vient me dire quelque chose, dans n'importe quel domaine, je dois prendre ça comme un tzivouï, comme un ordre.
Et c'est ça le travail du kavod. Donc dans les deux cas, en vérité, je travaille sur le kavod, dans les deux cas. Seulement là, ça se travaille comme ça, et là, ça se travaille comme ça. Mais le point commun des deux, c'est quoi? Chali bolach mi akavod. Comment je suis bolach mi akavod quand c'est un katan? Que quoi? Que je refuse. Et le bonhomme, il insiste. Je crois qu'à la fin, j'accepte parce que l'onaïm de le faire insister comme ça et de ne pas accepter. Maintenant, chez le gadol, comment je suis bolach mi akavod? Si vous, c'est un ordre. Il m'a donné un ordre, je ne peux pas. Je peux pas refuser. Maintenant, ce n'est pas ou l'omechabed outi, ou met savé alaï. Comme ça, il faut prendre la chose. Ça, c'est la shkafa de la Torah. Il y a fait mot. Que surtout pas imaginer que le gadol mechabed outi, ou il va voy. Parce que ça, c'est encore pire que dans le katan. C'est encore pire que dans le katan, parce que là, ça veut dire c'est le gadol qui était mechabed outi. Alors là, Habibi, c'est la puissance 1000, chez Mishmor. Ou l'homme mechabed outi, ou met savé alaï. Il me donne un ordre de faire la chose. Je suis comme un Eved maintenant, comme son employé, que je suis obligé d'écouter l'ordre de mon patron. Quand ton patron, il te dit oh, toi, viens ici, mets ça en place. Je vais ressentir du kavod. Non, je sens du tzivouï. Je suis marqué chez un tzivouï. Même si Nakhilami, la chose aurait pu être prise comme du kavod. Mais elle ne peut pas être prise comme du kavod, du moins c'est un gadol qui m'a demandé. Ou est-ce que ça aurait été pris comme du kavod si c'était un katan qui m'avait demandé? Et que le katan, je sais très bien qu'il le fait qu'aider les chabed aussi, parce que chez lui, ça ne peut pas être un tzivouï. Un katan, il ne va pas être mis ça va aller. Et là, va dire c'est mishum kavod. Alors là aussi, mishum kavod, je suis boréa. Mais là aussi, mishum tzivouï. Au contraire. Je me plie, je me rabaisse. Et c'est de cette manière que je travaille mon kavod aussi bien vis-à-vis du katan que vis-à-vis du gador. Très bien. À partir de là, la couchée, elle a tsouma ici. Er Moshe Rabbeinu misalev la gadol. Attends, c'est pas un gadol stam, ça c'est Borolam. C'est Borolam qui te demande le machia. C'est pas que tu peux pas dire j'ai un katan ou quoi. C'est Melech Malche Amerahim Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Il vient, il te dit, tu dois aller vers Israël. Comment est la durée de la création d'après la soukha qu'on a appris maintenant? C'est un tzivouï. Ça va aller. Bon, alors là, il te propose quelque chose. C'est pas. Ça ne doit pas être à mes yeux, balécha bedouti. Non, c'est un tzivouï. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait comme si c'était un katan. Kilou, c'est katan. Kilou, c'est un katan qui m'a proposé quelque chose. Et comme mes servim la katan, asan mes servim la katan. Attends, Moshe Rabbeinu, c'est pas un katan, là, c'est Moshe Rabbeinu, c'est un kadosh bourou. Attends, mais ça arrive la kadosh bourou, et katan aussi d'avoir kazé. Comment on comprend cette sougia à Rabotai? Alors, dès qu'il y a un issot ici très khachou, comme vous nous apprenez ici, c'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, lui, la démarche qu'il a ici à Rabotai, c'est pas par rapport au fait maintenant d'être mais ça arrive la gadol ou la katan. Il n'est pas là-bas, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ici, il fait une démarche à Rabotai par rapport à la chrayut que demande la mission qu'on est en train de lui donner. On lui donne une mission maintenant, qui est une mission de Harut. Et que lui, Vadaï, il a compris que c'est un Sivoui. Vadaï, c'est un Sivoui. C'est pas parce que c'est un Gadol. Donc c'est Vadaï, on lui demande ça. Seulement, la baïa, elle est comme ça. C'est que Moshe Rabbeinu Kaviachol ressent combien Haz Shalom, ce Sivoui-là, représente une Harut Atsuma. Okay? Où moi, maintenant, cette Harut, il faut que je l'assume à 100%. Je ne peux pas me permettre maintenant, Haz Shalom, de faire des erreurs du moment maintenant où j'ai une mission vis-à-vis du clan. Quand la mission, elle touche la personne vis-à-vis du prat, par rapport à moi-même. Bon, alors à ce moment-là, maximum, même s'il y a une erreur, c'est une erreur qui n'aura un dégât que vis-à-vis de moi-même. Mais là, c'est une erreur qui touche le clan, comme c'est une erreur qui touche le clan. Donc moi, maintenant, j'ai le devoir, moi, à ce moment-là, de m'introspecter devant Hachem. Mais non, ça ne touche pas le fait qu'Hachem m'a ordonné. Et qu'Hachem, quand il m'a ordonné, Baruch, il a été mekif tout le problème dans tous les sens. Et qu'il estime que c'est moi qui dois faire ça. Donc, voilà que par rapport à ça, je ne dois même pas avec l'âme m'interroger de savoir que bon, l'âme est l'achilami. Mais étant donné, c'est ça le cri du chatsum qu'on voit ici, que je suis un bal béchira, je dois m'introspecter même si le gadol me dit que je suis au niveau. C'est ça le cri qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler maintenant de mais ça rêve la gadol, on n'est pas dans cette souga. Mitzad, c'est l'olam, tu dois te plier parce qu'il s'agit d'un tzivoui. Et pourquoi je vois ça comme un tzivoui? Parce que c'est un gadol. Donc on n'est pas dans la souga du kavod ici. La souga du kavod, tu dois écouter. Pourquoi? C'est un tzivoui. Et pourquoi c'est un tzivoui? Parce que c'est un gadol. On n'est pas devant un katan. Donc on n'est pas dans la souga de kavod. Il y a fait monde. Et Moshe Rabbeinu, il est prêt à écouter le tzivoui. Il n'y a aucun problème. Seulement, étant donné que soit Adam ou Baal Bechira, et que dans la Bechira maintenant, il se doit de prendre en considération que Haz Veshalom, il n'est pas à l'auteur de la chose. Maintenant, la question, elle était de savoir comme ça. Quand je suis Baal Bechira, et que maintenant, il y a une estimation qui est faite, et cette estimation, elle est par rapport au gadol qu'il y a devant moi, que lui, il estime que je suis capable, mais moi, j'estime que je ne suis pas capable. Encore une fois, je ne parle pas de Mitzad le Kavod, hein. Je parle de Mitzad la Chayut. Moi, j'estime que je ne suis pas capable. Comment je dois considérer les choses?
Est-ce que je dois considérer les choses par rapport au Metsavé, par rapport à celui qui ordonne? Bon, lui c'est un gadol, et que je dois me dire comme ça. Je dois me dire, bon, il sait ce qu'il fait. S'il me demande, c'est qu'il il sait que je suis capable. Et que Vadaï, que quand on parle d'Akadosh Bohu, en sa fait qu'il a bien, il a bien été mikif tous les zdadim, et que là, il n'y a même pas place à l'erreur. Parce que bon, alors là, Vadaï qu'il introspecte en long, en large, en haut et en bas, comme un rayon laser, et qu'il voit que quoi? Que Aliba de Emet, Akol Besed Agamour, Akol Besed Agamour, tiens la hauteur, il n'y a aucun problème. Alors la question, elle est comme ça. Est-ce que moi, quand maintenant je suis ordonné par quelqu'un de Gadol, et que ce Gadol, comme en l'occurrence ici à Kadosh Bohu, en sa fait que je suis l'oseshum taout, comme le bonhomme son rave. Ouais, une image qui peut correspondre à cela, son rave, ou bien un homme rachouf, Gadol adore. C'est-à-dire là où on te dit, il ne fait pas d'erreur. C'est-à-dire, il sait ce qu'il me demande. Est-ce que moi, je dois prendre en considération, comme on a dit, l'homme sarvim la Gadol, oui, par rapport au Kavod, la même chose par rapport à ma responsabilité, je dois prendre en considération que le Gadol ne se trompe pas, et donc c'est un tzivouille, et là aussi je prends ça comme un tzivouille, ou bien non, là où ma bichira rentre en jeu, et que moi je regarde par rapport à ma bichira à moi, et que par rapport à ma bichira à moi, je vois que Chas Shalom, je suis peut-être, prêt à faire des erreurs, parce que je sais combien j'ai des lacunes à ce niveau-là, est-ce que je dois prendre ça en considération? Ou bien là aussi, on doit dire, comme dans le cas du Kavon, « Eme Sarvim Lagadol ». Et là, Moshe Rabbeinu vient nous apprendre un hiddush avec cette paracha. Qu'en vérité, non. Dans un cas comme ça, où ça touche à la Bechira, je dois prendre en considération ma Bechira, moi. Et pas le Gadol qui est en face de moi. C'est-à-dire, le « Eme Sarvim Lagadol », c'est en considération par rapport au Kavon. « Aval Betnaï, Sha Bechira Sheli Mashlima Imadavar ». C'est-à-dire que « Misa da Bechira chez lui, que quoi ?» Oui. Je peux le faire. Je le ferai bien. J'ai aucun ça avec là-dessus. C'est-à-dire que quand il m'a demandé de faire ces choses-là, je peux le prendre comme un tzivouille et que même il s'adabérira chez lui, anishalem imadabar. Je comprends pas. Je suis à la hauteur. Je suis à la hauteur de ce qu'il me demande et qu'il ne s'est pas trompé de bonhomme. Il a pris le bon bonhomme. Sans prétention, quoi. Sans prétention, puisque je ne prends pas comme un cavot, je prends comme un tzivouille. Alors, aucun problème. Oui, monsieur le patron, pas de problème. À vos ordres. À vos ordres, monsieur le patron. Le bonhomme, il va faire la mission. Mais quand il s'agit d'un stade où ma bechira m'amène à me rendre compte que je ne suis pas à la hauteur de ce qu'on me demande, et que les chora, il s'agit d'un gadol qui te demande. Ouais, dans un cas comme ça, mais sarvim la gadol. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu vient nous apprendre ici. Mais sarvim la gadol. C'est non abayom sur les douches. C'est parce que la bechira. Maintenant, le kushi, il est encore plus grand. Parce qu'ici, les maasés, quand Hachem te donne un ordre, et Hachem te parle, ouais, mais pashtout, c'est quoi? Eh bien, c'est une névoie. Donc ce n'est pas simplement comme un gadol qui met sa vie à l'écran. C'est une voix. Une voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde le film jusqu'à la fin du film. C'est ça une voix. Je regarde jusqu'au bout les chawas. Et donc je ne peux pas me dire maintenant que tenant compte de ma bichira à moi, je dois effectivement refuser. Parce que je me rends compte que ma bichira me fait défaut. Et donc par rapport à ma bichira qui me fait défaut, je ne peux pas accepter ça. Maintenant ça, ce serait bien si tu avais un bassal vadam devant toi. Un bassal vadam, effectivement, même s'il est gadol. Mais que peut-être, il a dit, comme ce n'est pas une voix. Mais moi, avec ma bichira, je vois Dassof. Et donc, à Dassof, je vois le platane, je vois où je peux tomber, Chas Shalom. Donc là-bas, on pourrait dire, c'est normal que là-bas que je refuse. Mais devant Kadosh Bohu, que lui, c'est Begeder Nevoa, Baruch, il n'y a pas photo, Bichlal. Donc, si c'est comme ça, c'est cette question que je suis en train de demander, c'est une question clalite qui touche à plein de sougiotes. C'est-à-dire que, par exemple, la sougiote de Abraham Avinu. Quand je vois, il lui dit, l'ech lecha me alzera. Et on dit là-bas, c'est Nisayon. Quel Nisayon? C'est une névoa. Bon, alors là, il te donne un sivouille. Je dis, mais quand même, t'as un sivouille. Quand même, là, tu vas dire, waouh, quel Nisayon, Hatsum. Ça fait partie des 10 nationaux d'Abraham Avinu. La Keda, c'est un Nisayon. Mais c'est quoi? Mais c'est une névoa. Non, mais ça vit la gadol, dans un cas comme ça. Puisque c'est une névoa. Ah, mais moi, ça met un bichira en jeu. Mais à ce moment que ça met un bichira en jeu, tiens, Qui vient te dire ça, mais ton névoie. Donc la névoie, c'est Adassof. C'est-à-dire que tout est vérifié jusqu'au bout du film et tout est exactement comme je te dis. Donc, si c'est comme ça, hein, comment Moshe Rabbeinu peut être Messarev et comment on peut comprendre que là-bas, ça s'appelle Anisayon, comme dans la Keda, comme les Khrefa. Et que la vint elle va y mêler. En vérité, regardez, on va prendre de là encore un Kiddush encore plus grand que ce que je viens de dire. C'est que la Bechira, effectivement, peut arriver, mais ne pas se soumettre à l'ordre d'un gadol.
même s'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Et plus fort que ça, que ta Bechira le Maasé peut être même capable de changer une névoie. C'est-à-dire que Bon Olam, il me dit la chose, et Bon Olam, il dit, c'est toi qui dois le délivrer à Israël. Quand Hachem, il dit un mot, c'est pas comme un homme qui dit un mot, ou c'est juste une estimation par rapport à l'homme tel qu'il évalue les choses. Non, c'est une névoie, là. Parce que quand je vous le dis, c'est toi le Mashiach, ça veut dire c'est une névoie. Attends, Mashiach. C'est-à-dire, c'est Emet Aliba, Emet Klapeshmaya Galia, qu'il n'y a pas d'autre Mitzvot. C'est toi la Mitzvot. Alors la question se pose doublement. Déjà, l'homme servim la gadol. Et deuxièmement, c'est une névoie. Ma vie quoi, po? Le ridouche Hatsum qu'on vient nous apprendre ici, mis à part le premier ridouche qu'on a dit, que même s'il s'agit d'un tzivouï, comme Abichira, Bichlal, remet en question le tzivouï, on doit de refuser le tzivouï. Et donc, le sarvim la gadol. Deuxième ridouche, même s'il s'agit, les maassés, du névoa, ma Bichira peut changer la névoa. Incroyable. Là, on voit la portée de la névoa, de la Bichira. C'est-à-dire que ma kamala peut changer, elle peut changer. Regardez bien. On dit que Moshe Rabbeinu après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, par la force des choses, Hachem a tellement insisté, il a montré qu'il faut que c'était. Maintenant, il faut voir comment Hachem a été mécharné à auto. Parce que normalement, si on a bien compris maintenant le yesod qu'on a ici, Moshe Rabbeinu, normalement, il doit refuser jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire, normalement, ici, qui doit avoir le dernier mot? Moshe Rabbeinu. Pas Kadosh Baruch Hu. Et la main. Si en fin de compte, Kadosh Baruch Hu a eu le dernier mot, c'est pas par insistance qu'il a le dernier mot. C'est parce qu'il y a donné pitom. Une donnée qu'il n'avait pas au début. Et qu'avec cette donnée-là, il a fait tomber toutes les tarnots de Moshe Rabbeinu. Et ça, il va falloir comprendre, c'est quoi cette donnée? C'est quoi cette donnée qu'il a donnée à Moshe Rabbeinu, qui fait tomber toutes les tarnots de Moshe Rabbeinu? Et que les tarnots, il les a plus. Ouais. Alors, déjà les maassés, il faut comprendre déjà la première chose qu'on a dit. La première chose qu'on a dit, c'est quoi? C'est que, a priori, où on voit que Moshe Rabbeinu, par sa Bechira, pouvait remettre en question la névoa. La névoa que Tchil Mashiach. Ouais. On voit que quand il est parti, et il s'est arrêté, Bamalon, c'est marqué là-bas. Et que là-bas, normalement, il devait faire la Brit Mila à son fils. Ouais. Et là-bas, c'est marqué, Shit, Asek Bamalon, Makavana. Il s'occupait, Kaviachol, à s'installer dans le Malon. Alors qu'il avait la Brit Mila de son fils. En temps normal, même si quand un homme, il a une Brit Mila, ou il a une misva à faire, vous croyez, ça va, on est indulgent avec lui, dans la Khadar Kolam, doucement, laisse-le se mettre en place. On ne va pas commencer à dire, Dardar. Tu veux pas tout de suite? Allez, on te coupe la tête. On n'est pas en Iran. On fait les choses bédar kenoam, il fait mort. Alors pourquoi ici, on est intransigeant, on veut le tuer, il y a un malheur qui est venu, il a commencé à l'avaler par en bas, par en haut, jusqu'à que Sipora, elle a vu que c'était à cause de la Brit Mila, elle a dit, maman, chatan damim la moulotte, elle a pris une pierre là-bas qu'elle a taillée, avec ça, elle a fait la Brit Mila. Elle a sauvé son mari. Ma sakana shama. Pourquoi c'est Koka Mesuka? Alors qu'est-ce qu'il dit, le Mfarji là-bas? Il t'a assez que même alone. C'est-à-dire quoi? Comment? Tu es en train de. Il y a la mitzvah de la Brit Mila, toi tu mets assez que Bémalon? C'est quoi cette histoire-là? Où tu as la tête? Comme si l'autre, il est parti à la piscine. Il avait vu se détendre. Il avait un petit bain comme ça. Il est parti au hammam. Bon, il est parti au hammam. Ouais. Mais non, la Brit Mila, bon, dans une heure, laisse-moi me détendre un petit peu. On est sur la route. C'est fatigant. On a envie de se remettre en état, bien, et après on fait la Brit Mila tranquillement. Est-ce qu'un bonhomme, on va lui reprocher à Bouddha qu'il est parti au hammam avant d'avoir une main? Non, pourquoi? Parce que bon, il va être bien, il va être sa mère, il va être bien dans sa tête, il est fatigué, il n'est pas bien en ce moment. Il va faire la misa avec Kovet Roche, d'une manière, pas je veux dire, Kaved, hein, c'est d'ailleurs. Pourquoi non, Moshe Rabbeinu, on est intransigeant avec lui? Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, il dit le soir long là-bas, parce que étant donné que maintenant, tu as une shlichut, et la shlichut est d'aller délivrer Am Israël mechaket à Mashiach, Am Israël attend le Mashiach, que tu sois mitakev, parce que Inachilami, tu as une misva à faire comme la Brit Mila, ou tu as des choses qui sont des impératifs à faire parce qu'il y a une misva, ok, ça c'est normal, misva va bien, misena, donc tu ne peux pas bouger. Mais si maintenant, Hazu Shalom, c'est pour un essai personnel que tu mets à Kev, Balmenan, surtout quand il s'agit du clan, alors c'est le moment à cette mansakana. C'est mes sakana. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, Rabotai? On voit d'ici comment la Bechira, les maasé, peut remettre en question la névoie. Parce que si pour là n'avait pas fait la Brit Mila, il dit son nom là-bas, le malheur l'aurait tué. Attends, mais il ne peut pas le tuer. Il y a une névoie qui doit être le Mashiach. Non, il serait mort. Et pourquoi il serait mort? Ben parce que sa Bechira l'a fait fauter. Et comme sa Bechira l'a fait fauter, Menachem est mort. Et que tu veux de la névoie? La névoie, c'est Ada Bechira. Mais là où la Bechira rentre en jeu, c'est fini. Donc la réa qu'on voit là-bas. Maintenant, si c'est comme ça, hein, il va falloir comprendre comment Bolorlam il a inversé la chose. Que Moshe Rabbeinu l'a accepté. Parce que si c'est comme ça, que la Bechira peut au contraire
que Messarvim la Gadol. Et ça peut contrer aussi la Nivoua. Alors c'est comme ça, quel élément qu'Hachim il a mis pour arriver à le convaincre? Normalement, il ne doit pas être convaincu. Normalement, il doit Messarvim jusqu'au bout et ne pas baisser, Bichla. Comment il a accepté? Regardez ce qui est marqué dans le texte, c'est marqué. Vayomer ki ekie imecha, je serai avec toi. Vezelecha a hot, ki anuchi shelachticha beosiacha et Hachem im Israël, tardu et Elokim ala harazé. Il y a montré un hot. Et ce hôte-là, c'est un hôte chez Ochiar le Moshe Rabbeinu, qui a prouvé à Moshe Rabbeinu que là, on n'est plus du tout dans le cas qu'on a cité. Chez Messarvim la Gadol, qu'Abichira ait contredit la Nevoa, on n'est plus du tout là. Là, il a échec et mat. Il a mis en échec et mat. Qu'est-ce qui s'est passé? Hôte. Quel hôte? Le buisson. Il voit comme ça le séné, chez Boer Venonoukal. Il brûle, il ne se consume pas. Vous savez, dans le désert. Rien que met un feu dans un buisson. C'est la paille. Combien de temps ça va prendre pour brûler? C'est 2 secondes. En 2 secondes, il n'y a plus rien. Nigma. Pourquoi c'est tellement sec, il n'y a même pas un peu de jus dans la feuille. Tellement que la chaleur, elle a séché. Et donc le feu, quitte la balle en 2 secondes. Et là, non. C'est-à-dire, il brûle. Benenou, calme. Tu vois les tiges, les feuilles, etc. Impeccable, ne bouge pas. C'est bizarre. Moshe Rabbeinu lui-même, bon, il a compris que c'est un mas assez divin. Ok, qu'est-ce qu'Hachim voulait avec ça? Il voulait l'impressionner. Hachim, qu'est-ce que tu veux, Bidou? Tu veux parler avec Moshe Rabbeinu, d'accord? Alors parle-lui. Pourquoi tu veux ça montrer à lui, Sardan? Non, c'est bien, comme ça, il voit que je suis un grand rabbin. Non, ça, c'est quand on est des babas, tu vois, quand on est des babas, hein, alors il faut faire des nissim pour montrer que, pour impressionner le bonhomme. Comme ça, le bonhomme, au moins, il va faire des courbettes. Ouais. Mais là, on ne parle pas de baba, là, on parle d'accord, je vais au roux. Quand je vais au roux. Il veut s'adresser à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe, voilà, ça y est, il va se mettre en plein ventre, il ne bouge plus, il va lui passer le message, il va se calmer. J'ai besoin de faire un séné avec du feu qui brûle, qui un nes comme ça. Hachem, non, c'est un nes biridé. Hachem ne fait pas un nes pour rien. Tout nes, il a une matara. Quelle est la matara? La matara, en vérité, c'est le victoire qu'il avait à Kakjbourou. Étant les Kakjbourou savaient que Moshe Rabbeinu va être Messarev. Parce que dans un cas comme ça, Messarvim la Gadol, comme on l'a dit. Pourquoi? Parce que ma Bechira et Nachinami me montrent que je ne suis pas à la hauteur de ce tzivoui. Et deuxièmement, même s'il s'agit du niveau, on l'a dit, la Bechira, elle peut contrer la niveau. Donc Moshe Rabbeinu, il est en position, il ne peut pas accepter l'ordre d'Hachem, Kaviyachol. Hachem, il est obligé de lui montrer le buisson ardent pour qu'il accepte. En quoi maintenant le buisson ardent va amener Bechlal à faire tomber toutes les deux Ta'anot que j'ai dit là? Comment elles tombent les Ta'anot ici? Et là, quand je brûle, il dit à Moshe Rabbeinu la chose suivante. Il dit attention, Moshe Rabbeinu, il faut bien que tu comprennes une chose. Ça, c'est d'avoir un souk que ben pour nous, c'est Nafkamina, que Biat Mashiach, la venue du Mashiach à Botaï, c'est pas un zélo d'avoir chez Mitnael Alpiteva. C'est pas quelque chose qui Mitnael Alpiteva. Ou là-bas, on rentre en considération Kaviachol, la Bechira, l'Inyanim. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec tout ça. C'est des mal à Meateva. Biat Mashiach, c'est des mal à Meateva. Bien qu'a priori, on pourrait voir ça comme quelque chose qui pourrait se passer Alpiteva. Ou plutôt, il vient un bonhomme qui se présente pour être le délivreur et qui va mettre les choses en place d'une manière tiv'it, alpiteva. On pourrait imaginer comme ça, que l'Olam va faire des choses alpiteva. En fait, non. Hachem vient lui dévoiler ici, que sache que Biat Mashiach, c'est l'alpiteva. C'est les malaméateva. Et les malaméateva, on n'est plus dans les considérations que tu as données, la Bichira, le Messarvim Lagadol, par rapport au fait que je peux faire des erreurs, on n'est plus là-bas, Bichlal. On n'est pas dans ce lignan-là. Là, on est dans le lien qui est malaméateva, c'est-à-dire quoi? Comme tu vois que le séné ici, le feu le brûle, venonoukan, de la même façon aussi, la délivrance de l'âme Israël se fait de cette manière, d'une manière qui est les malaméateva. Il a fait moi. Maintenant, c'est quoi la nafkamina? C'est quoi la. Bon, ça, on a compris maintenant qu'avec ça, effectivement, Moshe Rabbeinu, il a plus tard note, parce qu'il a compris que quoi? Qu'on n'est plus alpiteva, et que tout le lien de la Bechira, de ça, c'est un lien qui est par rapport à des rishbonot qui sont alpiteva. On n'est pas dans des Rishbonot Alpiteva, on est dans des Malaméateva, c'est-à-dire on est dans Gilouyanes. C'est Gilouyanes, on n'est plus dans des considérations Alpiteva, on n'est plus dans des Klalim qui sont des Klalim qu'on fait Alpiteva, on n'est plus là, on est dans une autre sphère, on est dans la Matsilut. Ok. Alors par rapport à ça, Moshe Rabbeinu l'a compris, c'est calé. Si tu es à la Makom, Elma du Valkéa, ok, j'ai compris le Malach. Donc il se soumet. Maintenant que Moshe Rabbeinu se soumet, maintenant, il faut comprendre maintenant. La nafkamina qu'il y a pour nous, Rabotai, de comprendre que le Mashiach, c'est les malaméateva. Quand les bénis Israël, Rabotai, ils entendent Moshe Rabbeinu leur dire on va vous délivrer. Et là-bas, il leur met un point. Le point qui montre les malaméateva. Attention, qu'on n'aille pas à faire d'erreur.
On n'est pas en train de vous délivrer, Kaviachol, pour être simplement des hommes qui ne sont plus des esclaves. Vous êtes sortis d'Égypte, vous n'êtes plus des esclaves. Voilà la nafkamina de la Géoula. Pas du tout. Le ma'ant avdoud est Hashem ala harazé. Tout le ignan qu'on va vous sortir d'Égypte, c'est pour rester des esclaves. Mais au lieu d'être esclaves de Paro, vous êtes esclaves d'Akadosh Bourou. Atema avadim chez l'Akadosh Bourou. C'est ça le ignan de Malamateva. C'est-à-dire que l'homme pourrait croire à un moment donné, Kaviachol, que bon alors là, c'est une croyance, mais il y a la croyance d'Hachem, mais il y a ma vie à moi, Haim Sheli. Il y a Haim Sheli, c'est ma Bechira. Et ma Bechira me donne le droit, Kaviachol, de prétendre que j'ai ma vie, j'ai Minyanim. Et qu'après, Nachinami, c'était Dargot dans Vodat Hachem, où on est un peu plus pieux, un peu moins pieux, un peu comme disait Ravakin, trépied, papier ou plutôt papier. On pourrait dire ça. Non, pas du tout, tu n'as rien compris. C'est pas ça. C'est le Malam et Ateva, tout ça. C'est quoi le Malam Ateva? Le Ma'an Ta'avdoun, pour être éveillé tout ça. C'est pour être éveillé d'Hachem. C'est que Bolorla n'est pas prêt, Kaviachol, à accepter de croire que la Géoula, c'est simplement te sortir de Ta'avdoun, te sortir de tes problèmes. Non, c'est que des ch'tis éveillés chez la Kadosh Bourou. Et ça, regardez comme ça, incroyable. Moshe Rabbeinu, quand il parle à Paro, à aucun moment il lui parle, Bichlal, de délivrer Amisraël, de les libérer. Regardez bien les textes. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Shlosha Yamim. Quoi? Tout ce banagan, tous ces plaies, pour 3 jours? C'est ça qu'il demande? Quoi? Il n'a pas demandé de les sortir complètement? Non? Regardez le texte, vous allez voir. Prenez le texte du début jusqu'à la fin. Du début de l'histoire, qui vient, Moshe, jusqu'à la fin, tu verras qu'à aucun moment il a dit plus que 3 jours. Et la preuve, c'est marqué là-bas. Que la preuve, quand il a vu par l'eau que 3 jours sont passés, ils ne sont pas revenus. Alors, ma pomme, il est sorti avec son armée. Parce que pour lui, même s'il est marqué Vaï Béchalar Paro qui les a délivrés, c'est pas délivré pour pas revenir, c'est délivré pour revenir. Combien? 3 jours. 3 jours de vacances, ils ont voulu en faire un mahané. Ouais, des vacances 3 jours. 3 jours, vous revenez. Il voit qu'ils ne reviennent pas, il va les chercher. C'est-à-dire que tout ce Khejbon de tous ces plaies, tout ce balagan en Égypte, tous ces trechas qui sont pris pendant 3 jours, pendant une année, c'est quoi? C'est pour 3 jours. Voilà, Maïnan. Maïnan de Dieu qu'on veut délivrer pour 3 jours, c'est quoi le Pshal? Le Pshal, parce qu'en vérité, tout le nia, c'est pour que les Bnei Israël ne croient pas qu'il s'agit à Botaï simplement d'une sortie des Haurim. C'est pas pour vous libérer. C'est pas genre vous donner la vie du Orlamazé, vous libérer, vous rendre tranquille, vous rouler. Et pareil pour le Mashiach quand il va venir. C'est pas pour te donner Orlamazé. Le Mashiach ne va pas venir pour te donner Orlamazé. Le Mashiach va venir, comme à l'époque en Égypte, pour te faire comprendre qu'un chez moi, Meler, et que toi, tu es son Eved. Tu es son Eved. Tu vas être totalement soumis à sa volonté. C'est ce qu'on voulait nous faire comprendre là-bas. C'est ça le Moussak des Malam et Ateva. Il ne s'agit pas d'une délivrance tam, comme on veut sortir à Botaï des hatoufim de leur cheville, de les sortir de leur emprisonnement. Ce n'est pas du tout ça, Bichlal. C'est un autre Hejbon. C'est un Hejbon où Bolorlam, il veut que tu comprennes que sortir en Géoula, et Bezad Hashem, quand le Mashiach va venir aussi pareil, Mazel, la tzette et Géoula, l'yot evet chez Bolorlam, d'être esclave d'Akadosh Bohu, d'être soumis à la volonté d'Hashem. C'est ça la Géoula. C'est-à-dire qu'un homme à Botaï, premièrement, ce qu'on a dit hier, qui n'est pas prêt à Rabotait, mais va taire à la Olamazé. Et qui n'est pas prêt non plus à être éveillé de la Kadosh Bohu. C'est-à-dire qu'il croit qu'il va enfin trouver de la liberté. Enfin, on n'aura plus la has des goïms. Enfin, on n'aura plus tout ça brûlé. C'est pas un homme qui est en Mashiach, Rabotait. C'est l'osé Mashiach. Les ministres, 80% ne sont pas sortis, Rabotait. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Ils ont dit, c'est mes cartes à out. C'est pas une Géoula, ça. Attends, une Géoula, pour quoi faire? Une Géoula, ben, pour être libre. Ça y est, bon, c'est-à-dire, vive la liberté. On fait ce qu'on veut maintenant. Moi, par exemple, je vais aller faire un tennis. Moi, je vais aller à la mer morte. Moi, je vais aller me balader. Moi, je vais aller à Eilat. Moi, je vais aller à la liberté, quoi. Il dit, mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Quelle liberté? C'est, tu vas être libéré, pourquoi? Pour être arrivé d'Hachem. La vol d'Hachem. C'est ça, l'Union. Combien sont sortis? 20%. Et où sont les autres? Ben, ils sont restés là-bas. Bon, ils sont morts dans le rocher. Oui, on les a tous enterrés. Pour ne pas que ça fasse qu'ils louent l'Hachem. Mais 80%, ils restent là-bas, Rabotaï. À la nuit du Mashiach, pareil, il n'y aura que 20% qui sont prêts à la Géoula, Rabotaï. 80% ne sont pas du tout prêts à la Géoula. Pas du tout prêts. Parce qu'ils n'ont rien compris à la Géoula. Pour eux, c'est devenir Ben Cholim, c'est pour sortir des problèmes. Mais ce n'est pas du tout simple, là. Il faut s'initier à ça, Rabotaï, de comprendre que c'est un marché où les Malamé à Teva, c'est quelque chose, Rabotaï, qui n'a rien à voir avec le Malar TV, de croire qu'on est en captivité, on va être libéré, on va sortir de prison et on va retourner dans notre vie normale, rouler, et n'importe quoi. C'est que maintenant, on va rentrer dans un ta'alir, qui est un ta'alir très spécial à Botaï, et c'est pour ça que ça prend du temps, où Mamash, on va rentrer maintenant dans un monde complètement spirituel, qui va devenir de plus en plus spirituel. Pas immédiatement, parce qu'il faut un ta'alir, mais c'est là-bas que ça va se diriger.
Et ça, il faut réellement le vouloir, vraiment être prêt à ça. Quand Moshe Rabbeinu, il a entendu le Tahalir de la Géoula, il a compris que c'est ça la Géoula. Là, il a compris que ça n'a plus rien à voir avec les Hejbonot qu'il faisait, les Bechira, je ne suis pas à la hauteur, mais Sarvim la Gadol. Ah, il a compris qu'on n'est pas là-bas. On est ici, Bechira, dans la réalisation du projet d'Hachem, qui est le projet d'Hachem depuis la création du monde. Sauf d'avar, c'est-à-dire à Kornishma. C'est sauf Maasé, Marshavatrila. C'est-à-dire, le sauf Maasé, il est bien Marshavatrila. Depuis la création du monde, c'est là-bas qu'Hachem se dirigeait. Il se dirigeait pour atteindre ce moment-là. Ce moment où, effectivement, on va arriver, Mamash, à comprendre que Zagéoula, d'arriver dans notre Ashkafa, à nous dire c'est ce qu'on doit vouloir, Abota, se soumettre à la volonté d'Hachem, d'être rêvé d'Hachem, que Hachem soit le mêler, que ce ne soit plus un monde efker où les gens font ce qu'ils veulent, etc. Ce soit un monde Mamash dirigé par Bolor Olam. Mais Zagéoula, il me dit.